Bonjour, bonjour, ici Sarah Bryson pour Servia et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, une petite vidéo découverte pour les périodes de Noël, on va dire ça comme ça, de Pentiment. Alors le jeu est sorti il n'y a pas forcément très longtemps, il y a pas mal de streamers qui l'ont fait, pas mal de youtubeurs aussi. Je me suis dit que vu la direction artistique de la chaîne, j'étais obligé de le faire. Bref, qu'est-ce que c'est très rapidement? C'est un très joli jeu, très narratif. Voilà, je me suis pas plus spoilé que ça. On va voir ensemble, c'est très propre normalement, c'est très beau et on va pouvoir directement aller voir dans les options. Je baisse le son dans mon casque. Alors au niveau graphisme, croyez-moi qu'on va pas forcément avoir de problème. Je pense qu'on peut jouer avec la manette, sinon je jouerai pas avec la manette actuellement. Nouvelle partie. Alors, la police la plus lisible. En vrai, la police stylisée, sympa. Et on est parti. Avec le chargement préliminaire de toutes les installations. Oh! Ça aurait été bien qu'ils mettent déplacer la pierre, oui, appuyer sur la pierre. Ah d'accord, j'efface le texte qu'il y avait. Ah d'accord. Pourquoi pas? Je vais monter le petit son là. Pentiment. Avec son petit crin-crin là. Beaucoup de chiffres là-dessus. C'est un générique comme un autre qui nous apprend en gros qu'on va aller fouiller dans des bouquins. Qu'il va y avoir des indices. C'est bien fait parce que c'est subtil quand même. Donc ça a l'air d'être un jeu, pas du point and click, mais pas loin. De recherche, d'élucidation. Il va falloir élucider des choses. Là, on reconnaît l'Europe. Avec la botte. Un artiste s'endort. L'esprit d'un artiste. Oh! Ah ouais, c'est marrant comment c'est écrit. Et l'abbé m'a dit Andreas. Je ne veux pas perturber les sœurs de la bibliothèque. Vous devez terminer cette commande avant la fin du mois d'avril. Limitez vos conversations dans le frère... What? Limitez vos conversations avec le frère Piero. Au strict minimum. Je ne veux pas limiter... Je ne veux pas embêter les sœurs. Ah ah ah, et alors? Tu continues à œuvrer pour le mal. Ne l'encourage pas, voyons. Se consacrer à son travail peut procurer des plaisirs de l'esprit bien supérieurs aux plaisirs de la chair. Tu dois passer du temps. Alors, Saint Grombian, comment, vu comment il est habillé, à mon avis, ça va être un... ménestrel, troubadour, slash fou du roi. Et un petit peu le satyre aussi du groupe. Avec les amendes, plus un joué où je vais devoir me la jouer à la manière Socrate. Qu'allez-vous répondre à l'abbé Adrias?
Ah! Alors, on pourrait la jouer très... comment je vais dire ça? Très humble, très supérieur, en disant je l'ignorais, ce commentaire ne méritait pas mieux. Sinon, je pourrais dire oui, vous avez peut-être raison, je me suis excusé et je lui ai dit qu'il serait plus attentif. Mais je pense que je vais dire ce n'est pas de ma faute si Dieu m'a fait si charmant. Ah, vous êtes insupportable, vous deux. Hélas. Cette voix chrétienne a une vision du désir moins flatteuse que celle de mon époque. Oh! L'envie que vous leur inspirez leur permettra peut-être de mieux apprécier la beauté. Ah, c'est vrai, la prochaine fois, essayez de dire ça à l'abbé. Vous devez persévérer malgré la colère de l'abbé. Bientôt, vous aurez terminé l'œuvre de l'abbé et de votre chef-d'œuvre. Et puis, vous retournerez à Nuremberg, ou à Nuremberg, soulignez s'il vous plaît, où vous entendez attendre les mariages de votre nouvelle vie. Oui, un mariage avec une femme qui n'a jamais rencontré, c'est pas l'idéal. Oh, techniquement, elle peut être belle. Puis elle peut être intéressante. Et puis elle peut être cultivée. Ouais, mais souvent, quand c'est un mariage arrangé, c'est que... elle avait rien de tout ça. Mais elle avait une sacrée dot. Je vous rappelle, on est à l'époque, hein. Eh bien, l'alternative, c'est de devenir philosophe. Oh, nom d'un dieu. Alors, tu devrais te marier sans hésiter. Elle est jolie, au moins. Ah, je l'aime, ce satire. C'est ce que mon frère a écrit dans sa lettre, mais il essaie peut-être de me remonter le moral. Le petit portrait qu'ils ont envoyé était charmant, mais nous, les artistes, ça m'a flatté l'ego. Oh, qui sait, de toute manière, je me marie pas pour cette raison. Ah! On a le côté très Esperanza, vraiment l'espoir et tout. Le côté désillusion. Et le côté très terre à terre. On va dire que le portrait qu'ils ont envoyé était très flatteur, mais bon, c'est flatter l'ego. Il se fait tard, le temps ne s'arrête plus, n'arrête plus personne. Andreas, je crains que vous ne deviez nous quitter. Ah, c'est vrai, votre majesté. Viendras-tu nous revoir bientôt? J'espère, mais ça dépend pas de moi. Comme bien des choses, ayez foi en la Providence. Un gros bien. Veuillez reconduire Andreas chez lui, sain et sauf. Oh oui, votre majesté. À une prochaine fois, Andreas. À une prochaine fois, votre majesté. Donc, littéralement, on est en train... Ignore ces flots, Andreas. C'est ce que je fais. Ah ouais, un bâtiment de satyre. Ah, il y en a un qui est en train de lécher le bateau. Oh, il est content. Ah, il est content. Aïe. Enfin, j'y arriverai s'ils essaient de me marcher sur les pieds. Fais attention où vous allez. Ils sont fous, Andréa, si tu essayes de leur apprendre quoi que ce soit. Oh, il y en a depuis tout à l'heure, ils se mangent des mandales. Ça doit être un mandalarien. Je sais que le vieux John veut que tu supportes ses conneries à la baie, mais bon, puisque c'est moi qui te ramène chez toi, c'est moi qui ai le dernier mot. Ne te laisse pas t'épuiser, gamin. Ça risque pas, je ne laisserai pas la paix me malmener. Il cherche juste à faire régner l'ordre dans l'abbaye. Je ne suis pas l'un des leurs. Ça allait. Je veux pas causer d'ennui. Qui dis-tu? Ne te laisse pas marcher sur les pieds non plus. Ah! De grâce, arrête. J'abandonne, je veux rentrer, gros bien. Oh, à ta guise, Andreas. On est à moitié fou quand même, parce que là, littéralement, dans notre sommeil, on est en train de parler à des personnes historiques. Bon, j'ai reçu là.
D'accord. Je suis plus que ça pour ça. Allez, debout. Ah ah. Je retire mon bonnet de nuit. Ah, le baron, avril 1518. Ou 1518, si vous préférez. Quelques pages de plus. Retour à l'abbaye. Ah oui, d'accord. Donc, évidemment, je joue sur Xbox avec une manette. Ce qui va pas être sympathique pour... je pense qu'avec un curseur, potentiellement, ça aurait été sympa. On va regarder ça. Je devrais vraiment nettoyer ça. Ouais, j'avoue. Alors, le Picatrix. La clé de Salomon. L'Eptamarion. Le prieur Fenrek. Le prieur Fenrek continue à me donner tous les livres à lire. Quête, en appuyant sur X. Alors, une autre journée. Une autre pile de pages pour l'abbé et, je l'espère, pour moi-même. Je dois traverser la ville et me rendre à l'abbaye pour commencer à travailler au scriptorium. D'accord. Alors, sous forme de bouquin comme ça, c'est sympa. Ursula. Ouais, bon, c'est pas avec elle que je vais avoir une discussion incroyable. Et Clara, ma Clara, chère Clara, j'espère que vous avez fait quelque chose à bouffer. Ah, Andrea, avez-vous bien dormi? Oui, plutôt bien, Aurélien. Ah, vous m'en voyez ravi. Comme je sais que vous allez à l'abbaye, et je vous préparerai de quoi manger. Des amandes, du fromage et ce pain de seigle. Seulement, c'est une méthode qu'on soit tout maigre. Otto vous invite à vous joindre à lui pour le dîner à l'abbaye. Oh. Otto est-il passé? Oui, à l'aube. Ah, il y en a une qui a un kiff sur Otto. Elle doit s'appeler Moto. Ça ferait Otto-Moto. Oh. Oh la vache. Voilà pour vous, Andrea. Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ah, maître Andrea, je ne sais pas si c'est trop vous demander, mais pourrais-je... Enfin, pourrions-nous... accepteriez-vous de payer aujourd'hui le loyer du mois prochain? Et si nous l'augmentions de 2 gros? Je déteste vous le demander, mais nous n'avons pas pu payer les taxes de l'abbaye. Nous devons 2 mois de retard. Peter s'en fait des cheveux blancs. Peter. Oui, parce que là nous sommes en 1518. Alors ce n'est pas Peter, c'est Peter. Lui qui n'en manque pas. Ah, je pourrais dire je réfléchis, je sais pas trop. Faut dire que pour l'époque, le petit déj qui est filé est quand même un bon petit déj. Hein. Allez, je suis sympa. Ah, Dieu vous bénisse, Andreas. Et fils Saint-Luc, veillez sur vous aujourd'hui. En parlant de Saint-Luc, où en est votre chèvre? Voilà 2 mois que vous y travaillez, n'est-ce pas? Ah, il avance lentement, je dois l'avouer. Je consacre plus clair de mon temps à l'abbaye. Le prieur Fenrek ne m'autorise à travailler sur mon chef-d'œuvre que pendant l'office. Le salopio. Une contrainte raisonnable, mais qui ralentit mon œuvre. Le conseil de la ville ne l'exige pas pour devenir maître, et je ne fais surtout pour montrer à mes clients et pour ma propre satisfaction, voyez. Effectivement, quand j'aurai terminé, je retournerai à Nuremberg, où je marierai et ouvrirai mon propre atelier. De Nuremberg à l'université et maintenant à travers le monde en tant qu'artiste. Ah là là, une belle vie vous attend, maître Andreas. Oui, j'imagine que c'est un beau chapitre de ma vie. Après... une période d'errance. Ça doit être effrayant de tout recommencer. Ah. Alors, je l'avais pas vu, mais le petit... c'est parce que Veux, il ne l'avait pas écrit correctement et qu'il a du coup foutu un coup de pierre pour pouvoir réécrire correctement. C'est sympa. C'est des petits trucs comme ça qui sont sympathiques. Ouais, il faut que je fasse quelque chose pour ma famille. Ça ne sera pas oublié. D'accord. Bon.
Ils m'ont aidé même lorsque j'ai abandonné l'université et je ne peux pas les laisser tomber. Je suis sûr que votre famille est fière de vous, Andreas. Quoi qu'il en soit, l'art de mon domaine... enfin, n'est pas de mon domaine du tout, mais... Je vais lui faire de belles esquisses dans votre petit carnet. Votre chef-d'œuvre doit être sublime. Et j'y travaille. C'est en travaillant dur qu'on arrivera à ses fins. C'est ce que mon père disait toujours. Dieu et son âme. Maintenant, je dois me remettre au travail. Passez une bonne journée à l'abbaye, Andreas. Nous reviendrons après le vêpre, pour le souper. Pas ce soir. Klaus Drecker m'a invité à souper. Ah, bien sûr, s'il vous plaît. À plus tard, Clara. Donc on peut sortir des fers. Et je ne peux pas parler à Moto. Parce que je l'appelais Moto, hein. Je suis désolé, mais... Alors, on peut courir. Alors, Peter qui effectivement n'a plus grand chose, hein, comme Paul au caillou. Hein. Oh, je vois déjà. Andreas. Andreas. Je pense que ça va être Dieu qui va être marqué. Grand Dieu, quel temps misérable, cette ville est en perdition depuis que je suis parti. Alors, je pense pas que vous puissiez que les habitants puissent faire grand chose dans la vie, grand chose pour la météo ou. Ah, est-ce que les choses étaient différentes quand vous étiez jeune? Oh, c'est vrai que la bière et de la pisse. Ah, nos coutumes ne dérangeaient pas beaucoup le vieil abbé. Il ne voyait pas d'inconvénient à ce que nous fassions un petit offrande à Persto pour que les ciels soient dégagés et le temps clément. Magia savait que le Christ était de notre. Était dans notre cœur, mais si le nom de la Dame Blanche était dans l'air, mort, oui. Soit je me rappelle que tous les dieux païens ont été bannis. Soit je lui demande de m'expliquer les coutumes, et le problème c'est que si l'abbé il passe à ce moment-là et qu'on parle de dieux païens, on risque de se faire mettre au fer. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Je peux faire le débilus en parlant d'un saint. Et je peux rentrer dans son jeu en parlant d'esprit et non pas dieu païen. Bon, allez, on va faire le débilus. Oui. Et ça tient aussi. Mais qui, selon vous, protège la ville? Avant qu'il n'arrive. Hein. Oh, les dessins n'est pas les premiers à veiller sur Tossing. Mon père le savait. Le vieux Redding Keeper le savait. Certains d'entre nous font perdurer les traditions, mais n'en peut plaise à cette fripouille d'abbé. Non, mais je vous inquiète pas, j'en parle pas à l'abbé. Pfff, l'abbé. Les chiens de père qui s'apprennent l'abbé. Ah, je devrais y aller. D'accord. Dieu vous bénisse, mon enfant. Ouais. Bonjour, les biquettes. Bon, alors là, on peut véritablement dire qu'on est sur une narration à couloir. Hein. J'ai pas le droit de marcher autre part que sur la route. Bonjour, Andrea. Bonjour, Big Berg. Comment ça va? Vous travaillez aujourd'hui? Eh, me repose un moment. Mon père est encore au champ. Il est en tête grosse pierre avec la chair. Il a fallu Dieu sait combien de temps s'en dégage. Et la bille? Tous les jours, sauf le dimanche. Eh, Dieu soit lié pour elle, dimanche. C'est la tempête, non? Oh, je sens que de la fraîcheur de l'air alpin, tu sais. Trop voyagé. Oui, vous passez votre... Ouais, mais what? Alors, je pourrais le dire en version allemande, mais je vois pas ce que ça fout là, le mot allemand.
Ah oui, donc on va passer votre Vanderhard avant de venir à Tazing. Alors, choisissez un parcours qui affectera les choix de votre personnage à l'avenir. Alors, Bâle. Andrea connaît un peu l'italien et le français et peut faire référence à des lieux culturels de Bâle et des villes voisines de Berne, Zurich et Fribourg. Le plat pays, qui est le mieux? Andrea connaît un peu le néerlandais. Et aussi le français, il peut faire référence aux repères culturels d'Anvers, de Bruges et de Gang. S'il prend le plat pays et s'il va en Italie, il connaîtra l'italien et un petit peu le grec, surtout sur les colonnes. On peut y faire référence aux repères culturels de Venise, de Milan et de Florence. Ça... En vrai, le plat pays, ça m'intéresse parce que en 1518, certes, la religion est ce qu'il y a de plus important, on va dire, en Europe. Et c'est la religion catholique, slash protestant, on va dire le christianisme en général. Toutes les autres cultures, comment je vais dire ça ? Culture religieuse se fait de plus en plus écraser. Donc, il faut penser religieux. Après tout, a priori, on est parti pour là-dedans. Le problème, c'est que si on veut parler religieux, on pense tout de suite à, au pape, au Vatican et donc l'Italie. En vrai, il faut savoir que... de souvenance, hein, mais vous pourrez me contredire dans les commentaires en m'expliquant, bien évidemment, juste, ne me dites pas juste « nah », parce que ça servira à rien, mais si vous pouvez agrandir mes cultures, tant qu'à faire, ou remonter des souvenirs de ma culture, on va dire, non, ben, c'est que, si je ne dis pas de bêtises, la France est, par extension, on va dire la Belgique, mais bon, voilà, la France était un des plus grands pays de christianisme, et accessoirement, un des grands pays de, pas de manipulation, mais on va dire, un des grands pays majeurs qui permettait de donner le la, le fa, le do, bref, littéralement de donner, de dire au monde ce qu'il fallait faire. Je rappelle quand même que ce qu'on a appelé les Templiers, c'était pas... forcément en Italie. Voilà, on en est là. Donc, savoir parler le français et c'est les petits pays autour, on doit entre autres avoir des petites notions de néerlandais. C'est bête, les notions de néerlandais, c'est quand même des... Il y a mon chat qui est en train de faire des bêtises. Des notions de néerlandais, ça peut aider à pas mal de choses. Entre autres, ça peut aussi aider pour l'allemand. Hein. Mais je vais dire le plat pays parce que je vais être légèrement chauvin pour le coup. Oui, on va pouvoir utiliser sur cette série là plein de vieux termes. Chauvin, ça veut dire littéralement que on va jouer notre pays. Mon petit chat qui a chassé un Père Noël et qui est en train de jouer avec son cadavre. Rassurez-vous, c'est les petits bonhommes Père Noël. Le plat pays. Ah oui, il faut que je reste appuyé. Anvers, Bruges et Gand, toutes les grandes cités d'art de Flandre. Ouest. Au nord et à l'ouest, au bord de la mer, quoi. Problème, l'art de la mer va perturber votre odorat. Passez un peu de temps dans la montagne et vous sentirez les tempêtes venir. Eh, combien de temps, juste? Bah, 10-15 ans. Je pense pas rester aussi longtemps, grand Jorg. Et qu'est-ce que vous faites des Flandres pendant tout ce temps, au juste? À part de l'art, je veux dire. Et là, on va encore avoir du truc. Alors, l'hédonisme, c'est en gros... Bah, de toute façon, c'est marqué. Recherche le plaisir partout où il est. Il est extrêmement social et une grande expérience de toutes les vies agréables du monde. Alors, l'hédoniste, pour résumer, c'est ceux qui ont pris un peu trop au pied de la lettre le carpe diem, donc le cueillir la vie.
C'est un principe assez intéressant, enfin c'est un principe de vie assez intéressant et en même temps assez limite perturbant, qui dit qu'on ne se refuse rien tant que le plaisir est là. Que ce soit le plaisir gustatif, le plaisir de la chair, le plaisir artistique. Bref, dès qu'il y a potentiellement du plaisir, un hédoniste va y aller. Sans réfléchir aux conséquences et sans réfléchir même à la manière dont le plaisir va arriver. C'est particulier comme état d'esprit, hein, je vous le cite. Artisan. Vit pour travailler et consacre tout son temps à son art. Alors je suis déjà un artiste, un peintre. Techniquement, artisan, ça risque de faire double emploi dans l'histoire. Mis à part si, quand il considère artisan, il considère que je sache travailler aussi le fer, le cuir, enfin tout ça. Vraiment, la construction de la fabrication avec mes mains. Rat bibliothèque. Andrea passe tout son temps libre à trouver et lire autant de livres que possible. Non, alors déjà, on a lu le début. On a été au début du jeu. Il y a 3 bouquins sur son bureau et il est en train de pleurer tellement qu'il y a des bouquins. Donc, de base, non, pas bibliothécaire. Ou rien. Andreas a un penchant pour les petites combines, les farces et les délimineurs et les bagarres. En vrai, ça peut être sympa aussi. Et homme d'affaires. Andreas consacre une grande partie de son temps à l'autopromotion, à l'optimisation des dépenses de l'entreprise. Et investissement et à l'équilibre de ses comptes. Non, pas du tout. Alors, ça rentre logiquement dans l'histoire, qu'il n'est pas homme d'affaires. S'il était homme d'affaires, il n'aurait pas à se marier pour avoir une situation. Parce que je rappelle que, de ce qu'on a lu, il va avoir un mariage forcé, tout du moins ses parents ont trouvé une demoiselle, pour lui permettre d'avoir une situation de d'artiste accompli, avéré. Avec pignon sur rue. Oui, je vous ai dit, on va utiliser toutes les vieilles expressions dans cette série, c'est génial. Enfin, tout du moins dans ces quelques épisodes de découverte. Et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, homme d'affaires, c'est absolument pas logique. Rat de bibliothèque non plus. Il reste hédoniste, artisan et vaurien. Des paroles qu'on a eues pendant notre sommeil avec le fou du roi, on serait plus de base sur hédoniste. Parce qu'on a voulu se taper les demoiselles dans la bibliothèque au lieu d'apprendre notre boulot. À quoi ça va nous amener l'hédonisme? Tout simplement, on est extrêmement social et une grande expérience de tous les vices agréables du monde. Traduction, si on voit passer un tube avec de la fumée dedans, alors ça n'existait pas en 1700 et des brouettes, mais en 1500 et des brouettes, mais vous voyez les idées tout de suite. Je saurai ce que c'est et je vais pas prendre une grande taf. Surtout si je suis c'est un endroit où il y a un danger. Blague à part, je suis extrêmement sociable, donc il y a possibilité que je puisse me cacher à la vue de tous en étant vu de tout le monde. C'est-à-dire que si j'ai besoin de me barrer d'un endroit, je peux essayer d'aller dans un endroit extrêmement huppé. Très royal, même si je ne sais pas forcément dans quel pays là je suis actuellement, on va pas forcément dire royal, et de me rendre copain en quelques secondes avec les dirigeants du coin, ce qui pourrait m'éviter la corde. Donc hédoniste, ça peut être pas mal, mais par contre je pense que ça va être une action qui va être qui va avoir des affectations négatives sur ma personnalité. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir une demoiselle qui va vouloir passer, je vais courir après. Je pense que ça risque d'être ça. Mais on va dire qu'on est hédoniste. Ah, les flamandes sont belles et les bières de la Flandre exquises. À quoi ai-je passé mon temps, d'après vous? Ouais, belle vie. Mais priez que Pierre Thomas ne la prête jamais. Et pourquoi donc? Les prêtres nous invitent à nous inspirer de la vie des saints. J'ai choisi Saint Augustin, qui a dit « Seigneur, donne-moi la chasteté, mais pas tout de suite. » Ce qui est vrai. Si vous le dites, Andreas,
Mais je pense que vous allez vous attirer la colère de sa, de Père Thomas. Jean! Maintenant, Jean! Je vais y aller. Jean! Allez! Mon père se plaint que je l'embide alors que c'est moi seul qui retire cette grosse pierre. À plus tard, Andrea. Ouais, au revoir. Coutio poto, coutio poto. Sympathique. Donc je résume, nous avons vagabondé dans les pays francophones et néerlandais. En étant tout le temps à la alors les moutons pour nous bloquer le chemin. Tout en étant tout le temps à la recherche de faire du plaisir. La forge d'Andry Smith. Elle est beaucoup plus petite que celle que j'utilisais à l'abbaye, qu'il utilise à l'abbaye. Bah oui, mais à l'abbaye, il faut qu'il fasse des cloches. Là, il faut qu'il fasse des fers à cheval. Il y a une différence, quand même. Andris, mon ami Andris. Ah. Hé, hey, Andrea. T'as un point nommé. Allez-vous au moment pour me donner un coup de main? Bien sûr. L'abbé le prêtre ne sera absolument pas offusqué de savoir que... j'ai aidé le peuple. Ah, splendide. J'ai trop de projets sur le feu. Ou plutôt, de faire à cheval. J'ai trop bien, moi. J'ai mal compté combien j'en ai mis. Du coup, j'ai besoin d'un coup de main, sinon ils vont surchauffer et je pourrais pas travailler en métal. Pas de problème. Voilà, prenez le fer avec la pince. Mettez la partie chaude du fer à cheval sur l'enclume et je ferai après avec le marteau. Plus vite! Ça va. Bien, bien, au suivant. Ouais, enfin, les pauvres chevaux qui vont marcher avec ça, ils vont avoir mal. Hein. Celui-là, il est pas mal. Ah, bravo! Vous voyez, c'était pas mal, non? Merci, mon ami. Je ne sais pas où j'avais la tête en voulant en faire tout autant. Mais bon. Bien. Ce serait bien d'avoir quelqu'un qui soit venu m'aider ici tous les jours. Un apprenti, on n'a déjà pas le temps pour notre chef-d'œuvre, donc on va éviter. Enfin, nous, on pourrait pas, tout du moins. Un apprenti, ça serait pas mal. Un enfant. Me regardez pas, en 1500 et des brouettes, c'était très commun que les apprentis aient 5-6 ans. Hein. Vous aviez 5-6 ans, vous alliez au champ. Voilà. Vous aviez 10 ans, vous ressemblez maintenant à des gamins de 20 ans. Hein, seulement là, je pense plus sur un apprenti, on est quand même sur de la forge. Sauf s'il trouve un gamin bien costaud. Vous avez pensé à un apprenti? Ouais. Y a aucun garçon de la ville qui semble intéressé. Non, non, mais pas, je suis sûr que vous trouverez. Bertre Drucker. Claro sera ma tête si j'essaie. Quoi qu'il en soit, je voudrais pas prendre encore plus de votre temps. Je vous verrai, vous et Otto, au logis. A plus tard, mon ami, à plus tard. Je ne sais pas qui est Berthe. Ah, il y a beaucoup de moutons là. Martha, par pitié, veux-tu bien venir m'aider? Mais quoi? Je garde sur eux. Il me semble plutôt que tu restes là, les grands ballons, les bons cons, hein. Martin, pour la bonté de Dieu, aide ta cousine. Ah, bonjour, Andrea. Oui, excusez, un des piquets de la clôture est retombé, tombé. Enfin, bref, c'est la merde. Et les moutons, ils sont échappés. Oui, j'ai remarqué, je peux pas accéder à beaucoup de trucs. Je peux réfléchir à est-ce que je dois leur prêter ma force. On a jamais testé de réfléchir. En vrai, je vais leur proposer mon aide.
Ah, dans ce cas-là, effectivement. D'accord. Quand on réfléchit, on a potentiellement une vue des conséquences et surtout de quel côté on va. Peut-être. En aidant les autres, nous nous aidons nous-mêmes. Cela peut permettre d'accomplir un travail utile, d'en tirer de la satisfaction. Mais c'est imbécile de Martin qui devrait l'accepter, voyons. Écris-lui dessus, colle-lui la frousse. Enfin bref, coule-lui... File-lui une rouste, comme dirait l'autre. Une rouste? Tu lui fous un coup de pied au cul? Ah oui. En vrai que c'est son job, ce con. Hein. Et qu'il en fout pas une. Techniquement, on est quand même haut gradé. Alors, je rappelle qu'en 1518, en gros, l'église, c'est le chef. Et là, on est littéralement en train de travailler pour l'église, à droite et à gauche. On est investi d'un pouvoir général, exécutif, judiciaire, qui n'est pas des moindres. On est au-dessus de tous les pégus, littéralement, là, pour le coup. Pégus, c'est pas une insulte, c'est littéralement le terme qu'on utiliserait. On est littéralement au-dessus de eux. Littéralement, ils doivent nous lécher les bottes. Donc, lui coller une frousse, ça serait intéressant et intelligent. Je peux tenter d'être sympathique et d'aider. Pourquoi? Parce que je suis hédoniste. Et que même si c'est une peine que je vais avoir là, j'ai dans l'espoir d'avoir du plaisir. Entre autres avec la cousine qui a pas l'air trop dégueulasse. Ah, si j'aide... Ah, intéressant, il nous donne un indice. Et si j'essaye d'aider, sachant que j'y connais que dalle en brebis et en tout ça, je vais faire plus de conneries qu'autre chose. Donc, espèce de grand con, mettez-vous de vos affaires, crétin. Et ce sera pas oublié. Martin, ça suffit. Quant à vous, Andreas, laissez donc ma mère se charger de sa de la discipline. Oh, regarde ce qui... Ouais, qu'est-ce que c'est ton cheval? Il m'a l'air riche. Je l'ignore, Martin, mais... Chansard est en train de lui sonner les cloches. Oh. D'où Dieu, je suppose. D'où Jésus. Vous n'avez pas vu Chansard dans un tel état de rage depuis que Johan a baissé son pantalon au mariage de Peter et Clara. Il a fait sauter deux de ses dents. Vous ne pouvez pas sentir la force derrière la colère d'un tailleur de pierre. Pensez-vous que c'est un noble et il a l'air très riche? D'où Jésus, Seigneur. Martha! Ne va pas encore t'attirer des ennuis. Quoi, tant t'as dit? Tiens-toi convenablement et... Penses-tu pas que nous allons avoir mieux à faire? Votre petite carcasse un peu plus loin. En fait, en essayant de prendre le parti des demoiselles, on s'est fait littéralement bully. Je peux enfoncer le clou encore. Je peux dire bonne chance. Mais d'un autre côté, j'ai été rejeté alors que je prenais leur parti. Ce qui me... Donc je peux faire ça pour dire dernière sournois, travaille pas trop, hein. Ou alors je peux continuer sur mon idée. Ah, je continue sur mon idée. Allez au diable, Andreas. Je viens de me faire un ennemi. Mais d'ailleurs... Je m'en fous! Bon, bah écoutez, sur ce, j'espère que cette petite découverte, cette première partie de petite découverte vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien, moi ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à checker dans les différents liens qui se trouvent dans la description et de me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce jeu. Parce que, en vrai, pour moi, il est vraiment sympathique. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand chose à réfléchir. Mais au moins ça me permet d'utiliser du vocabulaire un peu plus soutenu que d'habitude. Oui. Oui, j'aime ça.
Sur ce, je vous fais des gros petits poutous et je vous dis à la prochaine. Bye.